dans un voyage en absurdité. Qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame. Les femmes sont des hommes à temps plein. Fini les revendications. Ce qu'elles ont voulu maintenant, elles l'ont. Ce sont toutes des femmes accomplies, sans vraiment besoin d'un mari. Femmes capitaines de société, elles ont d'autres tâches à fruiter. De conseils d'administration, de longs dîners en réunion. Passer en coup de vent chez le coiffeur, se maquiller dans l'ascenseur. Elles rentrent épuisées tous les soirs. La télé, elles veulent plus la voir. À peine la coupe d'un magazine. Un amant qu'elle ne revoit plus. D'ailleurs, c'est un acte manqué quand leur portable se met à vibrer. Pour la nostalgie d'autrefois, faudrait du temps, elles n'en ont pas. Elles y reviendront évidemment avec le premier cheveu blanc. 30 années se sont écoulées, ont-elles perdu ce qu'elles ont gagné? Elles étaient femmes en 80, des femmes jusqu'au bout des seins. Question salaire, ça ne va pas mieux. Celui d'un homme coupé en deux, on les enfume de parité, mais qui promet l'égalité?